أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار أيها الإخوة الكرام لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن ثمرات الإخلاص فذكرنا البارحة ثمرة عظيمة من ثمرات الإخلاص ألا وهي أن المخلص إذا نوى فعل عمل صالح ولم يستطع القيام به أعطاه الله أجر العمل كاملا فإذا نويت أيها المؤمن المخلص الصادق فعل عمل من أعمال الخير ثم لم تتمكن ولم تستطع فعل هذا العمل وكانت نيتك صادقة وكانت نيتك وجه الله عز ابتغاء وجه الله عز وجل فالله تعالى يعطيك الأجر على نيتك وإن لم تعمل بهذا العمل وذكرنا عدة أحاديث واليوم سأضيف حديثا آخر كنت قد نسيته البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه إن شاء الله عز وجل mes frères hier on a commencé de parler sur les récompenses les mérites les fruits de quelqu'un qui est sincère avec Allah عز وجل. La sincérité, il peut te donner des récompenses sans que tu fasses des actes. Si le musulman, par exemple, il fait l'intention de faire un acte d'adoration, mais il y a un empêchement qui l'a empêché de faire cet acte d'adoration. Il y a quelque chose qui l'a bloqué de faire cet acte d'adoration. Et son intention, il était sincère, de faire cet acte pour Dieu, Allah il lui donne la récompense de cet acte, même s'il n'a pas fait l'acte d'adoration. Hier, on a donné beaucoup d'exemples. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un autre hadith. J'ai oublié hier de dire ce hadith-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, si le musulman, il demande Allah, azza wa jal, par sincérité, de mourir martyr, il demande, il fait l'intention, il fait la demande, « Ya Allah, donne-moi l'occasion de mourir martyr dans ton chemin. Ya Allah. » Et il a fait cette intention par sincérité dans son cœur. Allah Ta'ala, il va lui donner la récompense des martyrs, même si cet homme-là, il meurt dans son lit, chez lui, dans sa maison. Même s'il meurt dans sa maison, Allah Ta'ala il lui donne la récompense et le degré d'un martyr. Pourquoi? Parce qu'il a fait l'intention et la sincérité dans son cœur et il a fait cette demande par sincérité à Allah Azza wa Jal. واليوم بإذن الله سنتكلم عن ثمرة أخرى من ثمار الإخلاص وهي ثمرة عظيمة يحتاج إليها كل مسلم يبحث عن رحمة الله ويريد الفوز بالجنة والنجاة من النار. Aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va parler d'une autre récompense, d'un autre fruit que le sincère va gagner dans ce bas monde. Et vraiment, cette récompense, cette chose-là, elle est très importante. Chaque musulman qui cherche la miséricorde d'Allah, qui cherche à rentrer au paradis et être préservé de l'enfer, il a besoin de cet acte. Cet acte, il s'appelle par la langue arabe « Husnul Khatima ».« Husnul Al-Khatima ». فالمخلصين يختم الله لهم بحسن الخاتمة. Quelqu'un qui est sincère avec Allah, Allah Ta'ala, il va lui faciliter de finir sa vie sur des bons actes.
tu vas finir ta vie sur des bons actes d'adoration. ولذلك عندنا احاديث خطيره جدا. Il y a des hadiths qui font peur. عندنا مثلا حديث مشهور في موجود même في c'est le 4e hadith dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi. حديث ابن مسعود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث في النصف الاخير: فوالله الذي لا اله غيره ترى الرجل يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ووالله الذي لا اله غيره ترى الرجل يعمل بعمل اهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. Ce hadith là il fait peur. Le hadith il dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a juré au nom d'Allah. Il dit: tu vois la personne qui fait des actes d'adoration qui vont le faire rentrer au paradis jusqu'à ce qu'il reste un moment de sa vie. Il lui reste un petit moment avant la mort. Et il va faire un acte, il va faire un péché, il va commettre une désobéissance à Allah et il va mourir sur ce mauvais acte et il rentre à l'enfer. Et le contraire, tu vois la personne qui fait des actes, qui fait des péchés, qui commet la désobéissance à Allah Azza wa Jal pendant certains temps, pendant toute sa vie. Et il lui reste un petit moment avant la mort et il va faire un repentir. Il fait un acte d'adoration et Allah, il le fait rentrer au paradis. Ce hadith-là, il fait peur. Walakin, il y a un autre hadith, rawahu l'imam Ahmad ou l'imam al-Bukhari, عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا في معركة أحد فذهبنا إلى النبي فرأينا رجلا يقاتل بشجاعة وبإقدام فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا له: يا رسول الله إن فلان يقاتل بشجاعة وإقدام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار لا خير فيه هو في النار. فأعاد الصحابة يترقبون هذا الرجل فرأوه يقاتل بشراسة وبشجاعة وبإقدام فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن فلان يقاتل بشجاعة وإقدام ولا يخاف في الله لومة لائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيه هو في النار. فعادوا المرة الثالثة فأعاد نفس الإجابة ثم ذهبوا وتبعوه فأصيب هذا الرجل بجراح في جسده ولم يتحمل ولم يصبر على ذلك فوضع السيف على صدره فقتل نفسه وانتحر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, selon Sahl ibn Sa'd Sa'idi, dans le combat de Uhud, les compagnons, ils ont vu un homme, un musulman, vraiment il est courageux. Comment il est courageux? Il rentre dans l'ennemi, il va frapper celui-là, il n'a pas peur de la mort. Les sahaba, ils étaient étonnés de son courage. Ils sont partis voir le prophète, ils ont dit: Ya Rasulallah, on a vu telle personne, Masha'Allah, il est courageux. Masha'Allah, il ne craint pas la mort. Il défend la cause d'Allah Azza wa Jal. Il défend la ilaha illallah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoutez, laissez-le, il va rentrer à l'enfer. C'est parmi les habitants de l'enfer celui-là. Les sahaba, ils étaient étonnés. Ils sont partis encore surveiller cet homme. Et ils ont vu que cet homme, vraiment, c'est un courageux. C'est quelqu'un qui défend la ilaha illallah. C'est quelqu'un qui fait le combat pour Allah Azza wa Jal. Ils sont partis voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya Rasulallah. Ya Rasulallah. Regarde. Wallah, il est courageux.
Wallahi, ya Rasulallah, on l'a vu de notre propre. Il n'a pas peur de la mort, fi sabilillah. Nous, on ne peut pas faire ce qu'il fait. C'est le plus courageux parmi nous. Nabi Sassoum Yaqoul, laissez-le, il va rentrer à l'enfer. Alors, Sahaba, ils l'ont bien surveillé. Cet homme-là était blessé. Il était blessé dans son corps. Et il n'a pas supporté la douleur. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est suicidé. Il a mis son arme là, et il s'est suicidé. Alors là, le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, quand ils sont rentrés le voir, ils ont dit, « Ya Rasulallah, Wallah, il s'est suicidé. » فَقَالَ لَهُمُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِن تَرَى الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِلنَّاسِ تَرَى الرَّجُلَ يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِلنَّاسِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont venus le voir, ils ont dit, oui, ya Rasulallah, tu avais raison. Ce que tu as dit, c'est vrai. La personne, il s'est suicidé. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, on regarde la personne qui fait des actes d'adoration, qui fait des hasanat, selon nos yeux, ce qu'on voit nous. Mais ce qu'il a caché dans son cœur, on ne le sait pas. Ce qu'il cache dans son cœur, le seul qui sait ça, c'est Allah Azza wa Jalla. Alors nous, dans les yeux qu'on va regarder à la personne, on va dire, Masha'Allah, ce qu'il fait, il fait des actes d'adoration, il fait que des hasanat, il fait que de l'khayr. Voilà ce qu'il cache dans son cœur, il n'y a pas la sincérité. Il y a l'ostentation. Il n'y a pas l'ikhlas dans son cœur. Le Nabi Sassam, il a dit, les actes, le Nabi Sassam, il a dit, c'est la fin qui accepte, c'est la fin qui décide l'acceptation des actes. C'est la fin qui décide l'acceptation des actes. C'est pour cela, le musulman, il doit toujours être sincère avec Allah. Jamais il faut voir que vraiment tu fais beaucoup de choses. Tu peux faire des montagnes de hasanat, et si tu n'es pas sincère, tu vas mourir sur un péché. À la fin de ta vie, tu vas commettre un péché et tu vas mourir sur ce péché-là. Voilà qu'il s'était sincère. Ida kunta mukhlis, Allahu ta'ala yuhibbul mukhlisin fayuwaffiquka ila husnil khatimah. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا استعمله فقال الصحابة رضوان الله عليهم وكيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم il nous a dit quand Allah aime un de ses serviteurs il va l'utiliser. Sahaba ils ont dit ya Rasulallah comment Allah il va utiliser son serviteur. Le prophète il va dire il va lui faciliter de faire des hasanats et il va tirer son âme et lui, il est en état d'adoration. Tu es en état d'adoration, tu es en train de faire des actes d'adoration, tu es en train de prier, tu es en train de faire sadaqa, tu es en train de faire le pèlerinage, tu es en état de jeûne et Allah Ta'ala, il va tirer ton âme et toi, tu es sur cette situation d'adoration. Falidalik, fille عهد علي رضي الله عنه à l'époque de Ali رضي الله عنه quelqu'un il a tué Ali le tueur de Ali le tueur de l'imam Ali قاتل علي رضي الله عنه celui qui a tué Ali c'est pas un malfaiteur c'est pas quelqu'un qui boit de l'alcool c'est pas quelqu'un qui prie pas c'est pas quelqu'un qui est voleur agresseur qui fait la fornication, non. Le tueur de Ali était un professeur brillant du Coran. Un professeur professionnel du Coran. Parmi les meilleurs professeurs de Coran à cette époque-là. Omar ibn al-Khattab, arsala ilayhi Amr ibn al-As risala. Amr ibn al-As, c'est lui qui gère l'Égypte. Amr ibn al-As, Kanafi, في مصر فكتب رسالة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى écrit une lettre envoyé une lettre pour عمر بن الخطاب il demande عمر بن العاص qu'est-ce qu'il demande il demande des professeurs de Coran pour enseigner le Coran aux Égyptiens alors عمر بن الخطاب il va choisir les professeurs de Médine
Et il va choisir cet homme-là qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljam al-Muradi. Il va le choisir. Il va lui dire, « Ya Amr, écoute, j'ai été envoyé le meilleur des professeurs. Il faut prendre soin de lui. Il faut lui construire une maison. Il faut lui préparer une école. Et il faut vraiment lui donner un bon salaire. Pourquoi ? Parce que moi, je préfère de garder celui-là. Mais maintenant, quand tu m'as demandé, et les gens, ils ont besoin là-bas d'un professeur, alors moi, je vais sacrifier mon professeur, mon meilleur professeur, je vais l'envoyer aux gens de l'Égypte. Prends soin de lui. Et il a envoyé cet homme-là. Et cet homme-là, c'est le premier enseignant de Coran en Égypte. Ça veut dire, imaginez, tous les récitateurs qui sont maintenant en Égypte, depuis cette époque-là, c'est lui leur professeur. Combien de khayr il a fait ? On peut compter le hasanat ? On ne peut pas compter ses hasanat. Il a laissé une aumône continue. Hada taraka sadaqa jariya. L'inna min sadaqat jariya yaqulu Nabi sallam ou tawritu al-mushaf. Wiratatu al-mushaf. Il a enseigné le Coran à des élèves et ses élèves, ils ont enseigné ses élèves. Et dès maintenant, il y a des élèves qui sont en train d'enseigner le Coran et de lire le Coran. Alors imagine, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer Ali radiallahu anhu. Et quelqu'un qui tue un croyant, il va à l'enfer éternellement. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Ça veut dire, il a commis un grand péché. Et lui, quand il a tué Ali, il a fait ça pour gagner l'amour d'Allah. Dans son cœur, dans sa tête, il était avec le groupe de Khawarij, on s'appelle ça le Khawarij. Il a dit, je vais tuer Ali pour gagner l'amour d'Allah. Je vais tuer Ali pour nettoyer la communauté d'un grand mal, pour arrêter le blâmable. Ana uridu an ughayyira al-munkar. Bimada turidu an tughayyira al-munkar an taqtula Aliyan radiyallahu anhu wa ardah. Le quatrième calife en islam. Et il est parti pendant le ramadan. Le Koufa, il est parti en Irak, fa qatala, darabahu, ma'a salat subh. Ali radiyallahu anhu, il s'est levé, il était en train de réveiller les gens pour faire la prière de subh. Kana yuqidu an-nasa li salati subh. Fa ja'a hada ash-shaqi fa darabahu ala ra'sihi bil khinjar fa ta'anahu fa mat. Il l'a tué pour satisfaire Dieu, subhanallah. قتله وهو يقرأ قول الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. Il récite ce verset et il tue Ali رضي الله عنه. Il dit, je vais gagner la satisfaction d'Allah. Regardez comment Allah, il a supprimé tout ce qu'il a fait cet homme-là par un péché qu'il a commis à la fin de sa vie. Pourquoi? Alors là, on va découvrir que à certains moments, il n'y avait pas la sincérité dans son cœur. لم يكن مخلصا لله لو كان مخلصا في تعلمه وفي تعليمه للقرآن وفي عبادته لوفقه الله إلى حسن الخاتمة. Si cet homme-là il était sincère, quand il a appris le Coran et quand il a enseigné le Coran et quand il fait des actes d'adoration, s'il était sincère, Allah Ta'ala, il va le sauver jusqu'à la fin de sa vie. Il va le guider jusqu'à la fin de sa vie. Mais quand il a modifié son intention, et l'ostentation est rentrée dans son cœur, l'orgueil est rentré dans son cœur, alors qu'est-ce qu'il va faire? Allah Ta'ala, il va annuler tous ses actes d'adoration. Pourquoi? Parce qu'il va commettre à la fin un crime et il va tuer le meilleur des croyants à cette époque-là. Le meilleur des croyants à cette époque-là, c'était Ali radiyallahu anhu. Wa lamma qatala, quand il l'a tué, il y avait un poète de Khawarij. Lui aussi, il était avec lui, dans le même chemin, ils avaient les mêmes idées. Il va dire une poésie sur cet homme-là pour le glorifier. يريد أن يمدحه. يريد أن يشكره. Il veut le remercier parce qu'il a fait un acte d'adoration. Il a tué Ali radiallahu anhu. فماذا يقول ce poète, il s'appelle Imran ibn Hittan. Imran ibn Hittan, ماذا يقول؟ يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا يقول يا ضربة من تقي ce que t'as fait, t'as fait un acte de pieux. Quand t'as frappé Ali dans sa tête, vraiment cet acte que t'as fait, c'est un acte de pieux. Et ce que tu as fait, ça se voit que tu l'as fait pour Dieu. Ya darbatan min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsh ridwana. Vraiment, ce que tu as fait, tu l'as fait pour Dieu, pour gagner la satisfaction d'Allah. Inni la adkuruhu hinan fa ahsabuhu. Il dit ce poète, à chaque fois je me rappelle de lui, et je me rappelle de ce qu'il a fait. Je dis, vraiment, il va trouver dans sa balance un acte qui est très lourd. L'acte qui est très lourd, c'est quoi? C'est le crime qui l'a commis. Subhanallah. Inni la adkuruhu hinan fa ahsabuhu awfa albariyati inda Allahi mizana. Vraiment, il n'y a personne qui a fait un acte comme tu t'as fait. Pendant le jour de la résurrection, dans la balance, le crime que tu as commis, vraiment, il va te donner des degrés au paradis. Hada l'aql. Hada huwa al-khudlan. Allah ta'ala khadalahu fi akhir hayatih. لماذا لأنه كان مرائيا متكبرا معجبا بنفسه ولكن quand il a dit c'est de vers de poésie, il y a un autre savant, un Algérien qui s'appelle Abu Hamad ibn Abi Bakr At-Taharti. Hamad ibn Bakr At-Taharti. Taharti, il y a une ville qui s'appelle Tiat. Maintenant ils disent Tiat. Oh, il y a dans la langue arabe la vraie, sa vraie, son vrai nom, c'est Tahart, avec le ha. Tahart ou Tihart. Voilà. Et après la colonisation, ils ont modifié les noms. Ils ne peuvent pas prononcer le ha en français. Ils ont dit Tiat. Tiat, c'est rapide. Mais en vérité, elle, il s'appelle Tahart. Alors, Abu Bakr ibn Hamad Hada, il est décédé en 292. Après l'immigration. Il a écrit une poésie pour répondre à ce poète de Khawarij magnifique. Famada yaqul. Yaqul fiha qul ibn muljim wal aqdar ghalibatun. Ibn muljim, Abdurrahman ibn muljim, c'est le tueur de Ali. Il s'appelle Abdurrahman ibn muljim. Yaqul fiha qul ibn muljim wal aqdar ghalibatun. هدمت ويلك للإسلام أركانا. Ce que t'as fait, t'as détruit un pilier de l'islam. L'acte que t'as fait, le crime que t'as fait, il a détruit un grand pilier de l'islam. هدمت ويلك للأركان إسلاما. قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا. Quel est-ce que t'as tué? T'as tué la meilleure personne qui marche sur terre dans cette époque. Et t'as tué le premier enfant qui s'est converti, qui a embrassé l'islam. Et c'est vraiment Ali, c'est le premier enfant qui s'est converti, qui a embrassé l'islam. Qatalta waylaka. Qatalta afdal man yamshi ala qadamin. Wa awwal an-nasi islaman wa imana. Wa a'lam an-nasi bil Qur'an thumma bima sanna lana ar-rasul shar'an wa tibyana. Et t'as tué le grand savant du Coran. Et le grand savant de la sunna de Nabi sallam à cette époque. Qatalta afdal man yamshi ala qadam wa awwal an-nas islaman wa imana wa a'lam an-nas bil Qur'an thumma bima sanna lana ar-rasul shar'an wa tibyana. Sihra an-nabi wa mawlahu wa nasirahu adhat manaqibuhu nuran wa tibyana. T'as tué le cousin du prophète et le beau-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est son beau-fils, Ali radiyallahu anha. C'est le beau-fils de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mari de Fatima radiyallahu anha. Sihra an-nabiyyi wa mawlahu wa nasirahu adhat manaqibuhu nuran wa tibyana. Wa qad kana minhu ala raghmi al-hasud lahu makan Harun min Musa ibn Imran. Il lui dit, tu sais la place de Ali? La place de Ali avec Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme la place de Harun avec Moussa.
Haroun était le frère de Moussa. Il était un prophète. Même Ali, sa place avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme la place de Haroun avec Moussa alayhi salam. وَقَدْ كَانَ لَهُ بِرَغْمِ الْحَسُودِ لَهُ مَكَانُ هَارُونَ مِنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ذَكَرْتُ قَاتِلَهُ وَالدَّمْعُ مُنْحَدِرٌ فَقُلْتُ سُبْحَانَ رَبِّ الْعَرْشِ سُبْحَانَ مَا أَحْسَبُهُ كَانَ مِنْ بَشَرٍ يَخْشَى الْمَعَادَ وَلَكِنْ كَانَ شَيْطَانًا. كلهم chaque fois je me rappelle le centurion, je dis il n'était pas un être humain, c'était un diable celui-là. C'était pas parce que les idées de diable, c'est des idées diaboliques ça. Il tue une personne par injustice. Et il tue le cousin du prophète, le calife des musulmans. Il le tue et dans son cœur, il fait ça pour Dieu. C'est quoi ces images-là? C'est comme il a fait Shaitan. Shaitan, quand il a refusé de prosterner à Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Allah, moi, j'ai pas fait de faute. Moi, je suis mieux que lui. Moi, j'ai pas commis de faute. Ya Allah. Moi, je crois que ce jour de l'Illah, je dois prosterner pour toi. Moi, je fais pas shirk. Shaitan, il dit comme ça. Moi, je suis pas un associateur. Moi, je vais me prosterner que pour toi. Je vais pas prosterner pour Adam. Les gens qui prosternent pour Adam, c'est des associateurs. Ya Allah, regardez les idées diaboliques. Allah Ta'ala, il te donne l'ordre de faire, fais. C'est lui qui t'a dit de prosterner, prosterne pour Adam. Devant lui, il est devant toi, il te demande. Et tu refuses et tu me dis non, moi je ne suis pas un associateur. Alors c'est ça ce qu'il dit. Yaqul, dhakartu qatilahu wa dam'u munhadirun, faqultu subhana rabbil arshi subhana, inni la ahsabuhu ma kana min basharin. يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أشقى مراد إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا. قال لهم au contraire, dans sa balance il va rien trouver. Le jour de la résurrection, il va rien trouver dans sa balance droite. Il va trouver dans le côté gauche, il va trouver le crime de Ali رضي الله عنه وأرضاه. وأخسر الناس عند الله ميزانا كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا. قالهم celui là il ressemble à celui qui a égorgé la bête qui était sortie pour le peuple de Salih. Le peuple de Salih, Allah Ta'ala les a donné un miracle, la chamelle, une chamelle naqa kharajat, qui l'a tué. C'est le plus mauvais de cette époque là La mauvaise personne de cette époque, c'est lui qui a égorgé la chamelle. Et aussi, le plus mauvais croyant, le plus mauvais musulman, c'est le tueur de Ali, radiyallahu anhu wa arda. Ka'aqir al-naqat al-oula allati jalabat ala thamud bi ard al-hijr khusrana. Yaqul fala 'afa Allahu anhu ma tahammalahu ولا سقى قبر عمران بن حطانا. Qu'Allah lui pardonne pas ce péché et qu'Allah ne descende pas sa miséricorde sur la tombe de ce poète de Imran ibn Hittan, et qu'Allah ne couvre pas, ne descend pas sa miséricorde sur la tombe de Imran ibn Hittan. ولا سقى قبر عمران بن حطانا لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا بل ضربة من غوي أوردته لضا وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. Pour rester éternellement à l'enfer. C'est pour cela, Su'ilat Ummul Mu'minina Ummu Salama. Ummu Salama radiyallahu anhi, ils l'ont posé la question. Qalu laha ya Ummul Mu'minin, ma kana aktaru du'a'i Rasulillah. C'était quoi le du'a que le prophète répète toujours, jour et nuit? Qalat kana yaqul, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. اللهم يا مقلب القلوب
ثبت على قلبي على دينك. Toujours النبي صلى الله عليه وسلم répète ce dua. Ya Allah, c'est toi qui tiens les cœurs dans tes doigts. Ya Allah, affirme la foi dans mon cœur. Ya Allah, affirme la foi dans mon cœur. Ya Allah, affirme la foi dans mon cœur. C'est pour cela, le musulman qui est sincère, Allah Ta'ala il sera avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul bushra fi al-hayati ad-dunya wa fi al-akhirah. Lahumul bushra fi al-hayati ad-dunya, yaqulu al-ulama, ay yuthabbituhum Allah 'inda al-maut. يثبتهم الله عند الموت وفي الآخرة يرحمهم ويدخلهم الجنة. فلذلك celui qui est sincère, Allah il va rester avec lui, il va le soutenir jusqu'à la fin de sa vie et il va mourir sur une bonne action. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Je sais pas.